Amadine, j'espère que vous allez bien, toujours bien. Alors moi personnellement, je suis un petit peu remontée, puisque j'ai eu rendez-vous avec une avocate aujourd'hui, à cause du port du, alors on va pas dire le mot, de la muselière on va dire, pour les enfants. Voilà, hein, j'ai dit un petit peu que ma fille avait des problèmes de concentration, fatiguée, mal à la tête, etc. Et savoir, ma foi, si on pouvait pas éviter... Cette muselière à l'école. Réponse de l'avocate. Tant que le gouvernement aura décidé que c'est sans risque et que tout le monde doit porter la muselière, eh bien, il n'y aura aucun recours. Donc, c'est vous dire si je suis remontée. Et donc, il y a des fortes chances qu'on porte plainte, même si elle nous a dit qu'il y avait déjà des parents qui avaient fait une plainte commune et qui n'avaient pas gagné. Eh bien, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire, hein. Tout le monde est débile, ils sont tous débiles, ils massacrent les enfants, c'est pas grave, ils continuent, donc je suis remontée. Bon, alors c'est pas mal cette énergie-là d'être remontée ou d'être en colère, parce que c'est aussi une énergie qui permet de faire un peu bouger les choses. Donc voilà, donc je vais vous transmettre un peu cette énergie de guerrier, hein. De toute façon je suis en mode guerrier, vous le savez. On va faire un petit coucou à nos prisonniers là-bas. Alors, attendez... Voilà. Alors, faut que je fasse attention de vous les montrer sans vous les montrer, n'est-ce pas? Parce que sinon, je vais me faire striker. Hop, 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 hop. Ils arrivent. Voilà. Hop. Voilà. Je n'en montrerai pas plus. Ils sont bien au chaud dans leur petite boîte. Je suis sympa quand même, hein. Ils ont quand même le chauffage, hein. Donc, je les ai pas mis dehors, hein. Bon, je rigole toute seule, ok. Oui, alors il y en a qui m'ont dit que c'était de la magie noire. Non, non, la magie noire, ce serait si je faisais du vaudou avec des aiguilles et tout. Non, je sais pas, je fais pas ça, je fais pas ça. Par contre, je les ai mis là où est leur place, c'est-à-dire en prison, comme la place de tout bon criminel qui se respecte. Voilà, donc c'est simplement la visualisation par rapport à des gens qui, j'estime, qu'ils ont mérité d'aller justement en prison. Bon, vous voyez que c'est pas pareil. Alors, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, en parlant de prison, de criminels et tout, le fameux Caligula. On va regarder un peu où est-ce qu'il en est, parce que moi, je vous ai quand même dit que d'abord, il allait pas se déclarer candidat. Alors, il y a une personne qui m'a dit, oui, vous aviez dit justement qu'il n'allait pas se déclarer candidat, ou qui, s'il se présentait, il gagnerait pas. J'ai dit, bah oui, alors. Il s'est toujours pas présenté candidat, que je sache. Bon, donc pour l'instant, je me suis pas plantée. Mais on va regarder justement pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déclaré candidat. Et ça, c'est peut-être une question intéressante. Qu'est-ce qu'il a en tête, le monsieur? Donc, si vous voulez bien, on va regarder s'il nous prépare pas encore un trou de Trafalgar. Parce que il serait bien le genre, hein. Il serait bien le genre. Alors, on va regarder avec le jeu de haut parce que je sais que vous avez bien ce jeu et que voilà, quoi. Donc, on va regarder. Pourquoi est-ce que Caligula ne se présente pas, enfin, ne déclare pas d'ores et déjà sa candidature, alors que quand même, quelque part, il agit comme s'il était candidat, quoi. C'est louche, tout ça. Donc, j'avais envie de creuser. Alors, j'ai dû le regarder en même temps, là-bas. Il fait la tronche, donc ça lui va bien. Alors, pourquoi est-ce que tu ne te déclares pas encore candidat, toi, là-bas? Qu'est-ce que tu attends ou bien qu'est-ce que tu as planifié? Voilà. Bon, on va regarder. Donc, on va faire son nom, hein. Je ne vais pas vous le dire, mais enfin, vous savez. Alors, son nom, pas son prénom, c'est trop long. Donc, voilà, vous pouvez épeler le nom en même temps que moi, n'est-ce pas? Bon, à part ça, vous avez vu, ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Alors, en Allemagne, pour la petite info, ils sont en train de débattre de la piqûre obligatoire ou pas, sachant qu'il y a quand même pas mal de contestations. Hein. Les Allemands, ils se sont réveillés. Et puis, il faut savoir qu'on est quand même 80 millions. Hein. Donc, si même s'il y a 10% qui vont dans les rues, c'est quand même pas mal. Hein. Enfin, bref, il y a beaucoup de contestations. De toute façon, si c'était appliqué, ce serait pas avant mars. D'ici là, ça va encore rebouger. Alors, j'ai bon espoir qu'on y échappe. Mais bon, je suis pas sûre parce qu'ils sont tellement fous. Alors, revenons à nos moutons. Ah, ben, il y a des questions d'argent. Ok, il y a de la précipitation. Il y a le fameux homme qui est là. Alors, moi, ma question, c'était pourquoi est-ce qu'il ne se déclare pas candidat?
Bon, alors il y a des questions d'argent. Ça, c'est la conduite, c'est aussi une initiative. Ça, c'est justement, ça peut être la course à l'Élysée, hein, ou ça peut être la volonté de gagner, évidemment. Ça, c'est un choix à faire qui peut conduire à une séparation. Ça, c'est intéressant. Là, il y a quand même quelque chose qui me fait peur. Et là, il y a le gnome. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Carte intéressante. Alors, Caligula, qu'est-ce que tu as en tête? Bon. Alors, ici, on a rigide. Alors, rigide, c'est inflexible. Quand on n'est pas flexible. Quand on est dur. D'accord. Pardon. Ok. Ici, il y a début de quelque chose. Là, on a prendre. Alors, prendre argent, c'est pas mal. Ça sonne bien. Prendre de l'argent, bon, ok. Alors, prendre de l'argent, ça me fait tout de suite penser, il prend son argent, il s'en va, quoi. C'est marrant, quand même. Bon, ici, il y a sage. Ah ouais, sagesse avec la trouille, quand même, hein, et faux. Bon. Alors, faux, oui, c'est le gnome, hein, qui est faux. Bah, écoutez, moi, ce que ça me dit quand même, c'est qu'il peut y avoir un problème de financement dans cette histoire. Hein, prendre de l'argent. Alors, soit parce qu'il pense déjà à prendre de l'argent et à partir. Ou alors, c'est qu'il ne sait pas où prendre l'argent. Il y a quelque chose. Bon. Donc, il peut y avoir un souci financier. Ici, une conduite qui est rigide. Alors, une conduite qui est rigide, ça peut être son attitude, qui, bah, vous savez, qui s'est fait drôlement remonter les bretelles par l'Europe, quoi. Je ne sais plus lequel, député croate ou je ne sais plus quoi. Enfin, bref. Mais pas que lui. Et donc, il est possible que sa conduite soit perçue comme trop rigide, donc trop dure. Hein, rigide, ça veut dire dur. Et que là, il y a des critiques. Alors, pardon. Alors, ça, c'est pardon, c'est quand on s'excuse. Hein. Pardon par rapport à une course quelque part. Le début de la fin, moi, j'ai l'impression. Et la sagesse, parce qu'il a peur. Bon. Alors, moi, tout ça me dit, d'une part, qu'il va y avoir des problèmes d'argent. Que d'autre part, le gnome, il risque de lui faire un mauvais coup, là, parce que c'est faux. Un hein, faux, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance. Donc il peut très bien commencer à vouloir se débarrasser de Caligula, là. Ça me dit aussi que peut-être qu'il serait plus sage pour Caligula de partir, parce qu'il a la trouille. Et que là, il pourrait y avoir le début d'autre chose. Alors je sais que ça fait beaucoup de conditionnels. On n'est jamais sûr à 100% en voyance, hein, vous savez bien. Hein. Alors, il y a toujours des gens qui critiquent. Alors, bon, c'est pas beaucoup, parce que vous êtes super sympa, en grande, grande, grande majorité. J'avoue que j'ai une communauté qui est vraiment super. Mais il y a toujours un ou deux trolls qui arrivent à s'infiltrer et que je dois virer aussi sec. Et donc, ceux-là, ils sont toujours en train de critiquer. Ils se rendent pas compte que la voyance, d'abord, c'est pas sûr à 100%. Et puis, que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein. Moi, je suis crevée après. Enfin, ça, vous le savez. Alors, revenons à nos moutons. On va remettre des petites cartes ici, parce que là, c'est quand même le début d'une séparation ou le début d'un choix à faire. Moi, je sais pas. Alors, il y a deux choses l'une. C'est que soit il se présente, mais c'est parce qu'il est sûr de gagner, et dans ces cas-là, il y a un coup fourré. Par exemple, couper l'herbe sous le pied au candidat. On a bien vu, hein, avec Florian. Moi, je vous avais dit dans un autre tirage que Florian, il allait avoir des problèmes lors d'un meeting. Enfin, d'un meeting, d'une manifestation, si vous voulez. Hein? Bon, vous avez vu là le coup fourré qui a été fait par Dharma plus loin, bref, non? Hein? Vous avez compris, où il est accusé de, bon, vous savez de quoi, avec les fameux applaudissements. Je pense que vous êtes au courant. Hein? Bon, donc ça veut dire que ça, il faut que les candidats quand même s'attendent à des coups bas, voir ce qui s'est passé avec François Fillon en 2017. Bon. Alors, soit il y a ça, soit il va d'une façon ou d'une autre reporter les élections. Il y a peut-être quelque chose là. Ou la troisième possibilité, c'est qu'il va faire en sorte de gagner, voir ce qui s'est passé aux États-Unis avec les machines. Hein? Parce que le bonhomme, attention, il est machiavélique. Bon, alors pour l'instant, je dirais plutôt qu'il y a un problème d'argent et qu'il y a des critiques ici. Alors, le pardon, on va regarder.
Et puis, on va aller regarder aussi ce qui peut lui faire peur. Bon. Alors, ici, il est quand même pas mal isolé. Hein, il se retrouve tout seul, là. Alors, isolé, soit parce qu'il n'y a plus personne qui le suit parmi ses partisans, soit parce que ceux-là ne le suivent plus. Ça, je n'ai pas le détail. Là, il y a encore le temps, hein. Il y a encore le temps. Ouais, le temps, le temps, le temps, le temps. Je sors toujours. Il faut se dépêcher. Et là, on a... Alors, les personnes âgées, je ne sais pas non plus ce que c'est. Ils sortent là comme ça. Boum. Ben, j'ai pas d'idée. Ça peut être simplement des personnes qui ont plus d'expérience, hein. Ou le peuple, alors pas le peuple français parce qu'ils sont quand même un petit peu âgés, ces personnes-là. Donc on ira voir. Et là, ah ben oui, donc il a la trouille. Alors la salle de bain, il y a deux choses. C'est soit la politique sanitaire qu'il a menée, soit c'est ce qui se met dans les, dans le nez, dont j'ai parlé dans le nez de Caligula. Bon. Ou là, effectivement. Attendez, je suis en train de réfléchir. Ou là, effectivement, il y a un problème. Il y a autre chose. Ça fait penser aussi des choses qui remontent. Vous savez, ça remonte par les tuyaux, hein, la tuyauterie. Ça fait penser aussi à ça, où il y a des choses qui peuvent ressurgir, remonter. Parce que je suis en train de voir les toilettes quand même. Donc, des choses, comment dire, nauséabondes. Voilà, il y a quelque chose là. On va aller voir. Alors, si ça se trouve, c'est en relation avec cette carte-là. Vous voyez? Je sais il va y avoir un scandale qui va sortir. Ça, je l'ai vu en astrologie. Maintenant, savoir lequel. Enfin, bon, il y en a tellement, vous allez me dire, hein. On a le choix. Alors, surtout lui avec, avec son Jean-Mich, là. Hein. Enfin, son Jean-Mich. Jean-Brie, je crois que j'avais dit, je l'appelais Jean-Brie ou Brimiche, je sais plus. Jean-Brie, c'est pas mal. Alors, ici, supprimer. Ah ouais. Donc ça, c'est les personnes âgées que l'on veut supprimer. Ouais. Pourtant, c'est marrant parce que rigide, la conduite rigide, supprimer. J'avais quand même l'impression que c'était une critique qu'on lui faisait, moi. C'est-à-dire, en fait... supprimer certains droits, par exemple, pour les personnes non injectées. Il y a quelque chose là. Hein. Et pour moi, c'est une critique qu'on lui a faite par rapport à sa conduite, à son attitude. Ici, apparence. Ouais, il est en train de jouer la montre, le garçon, hein, comme on dit. Hein. Il est en train de jouer la montre. Ici, mentir. Ah ben voilà, on y arrive. Hein. Il y a des choses sur lesquelles il a menti. Bon, ça, on sait déjà. Ça va ressurgir. Donc, il serait plus sage, finalement, d'avoir un peu la trouille par rapport à ses mensonges. Ce qui ferait qu'il demanderait pardon, par exemple, la course à l'Élysée, demander pardon. Mais qu'il ne se représenterait pas. Chef. Bon, voilà. Vous voyez, son chef, il le laisse de côté. Bon, bah, écoutez, moi, ce que le jeu me dit, quand même, c'est que tout ça, c'est vraiment dans les apparences. C'est-à-dire, il fait comme si il allait se porter candidat, hein, donc il agit comme tel, mais que au fond, il sait qu'il y a un problème ici, ou alors il est déjà en train de préparer son départ et prendre l'argent. C'est comme on dit, comment c'était quoi déjà le film? Prends l'oseille et tire-toi. Oui, c'est pas très joli, je sais. C'est pas moi, c'est le titre du film. Bon, il y a de ça, parce que il y a son chef ici qui est en train de le laisser tomber. Et c'est le début de la fin. Bon, bah, écoutez, moi je ne vois pas se représenter, hein. Alors, j'avais dit que quand même, soit s'il se représentait, c'est qu'il serait sûr de lui. Ok. Bon, là, on a une hypothèse possible. Hein, vous avez suivi. Hein, que, il a quand même la trouille par rapport à des choses qu'il a faites sur lesquelles il a menti et qu'il serait plus sage, finalement, de prendre un autre chemin. Surtout qu'il est, en fait, laissé tomber par son chef. Ici, on voit qu'il est tout seul. Hein, le chef le laisse tout seul. Ici, là aussi. Et que là... alors, j'avais parlé des questions de financement, oui, il doit y avoir les questions de financement, et que d'un autre côté, il pense aussi, encore une fois, à prendre le maximum de sous pour prendre la poudre d'escampette. Et que de toute façon, ici, il a eu des critiques. Ah oui, non, je sais ce que c'est. Ah, ça vient de me venir. Bon. Alors, c'est pas les critiques du Parlement européen, ça, qu'il a. Non, non, non.
Ce qu'il a comme critique, c'est que il n'a pas suffisamment supprimé de ces personnes-là. Donc là, il y a un échec. Hein, en fait, il y a un quota qu'il n'a pas rempli. Oui, je sais, c'est horrible. Mais c'est ça que je vois, moi. Et donc, ça doit être certainement par rapport à l'injection. Il y a un truc là. Bon. Alors, on va voir quand même si. On va te poser la question. Alors, est-ce qu'il va se représenter quand même? Parce que moi, apparemment, je dirais non. Mais est-ce qu'il va se représenter? Alors, bah, qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, on a les militaires. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Alors ça m'inspire quelque chose parce que je viens de lire dans le journal là, juste avant de commencer la vidéo, que Caligula avait dit que si jamais il y avait un conflit avec la Russie et l'Ukraine, eh bien, il engagerait le combat, quoi. Enfin bref, vous avez compris. Donc, est-ce qu'il va pas nous faire un coup de Trafalgar? Et justement, nous imposer les militaires. Attendez, je suis en train de réfléchir parce que moi j'avais quand même vu qu'il n'y aurait pas de loi martiale. Hein, j'avais sorti. Alors, me serais-je trompée? Qu'est-ce que c'est que ces militaires? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il est en train de nous préparer quelque chose, hein? On va voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Parce que ces militaires-là, forcément, ouais, il y a de la violence quand même. Ça sent pas bon. Auto-saboteur. Ah là 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 là. Et là, le jeu. Les règles du jeu. Les règles ou le jeu. Suivre les règles, enfermé. Bon, alors. Il ne va pas se porter candidat. C'est exact. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit parce que pour moi, le jeu me dit qu'il ne va pas se porter candidat. Par contre. Donc, il va prendre l'argent, je pense, et il va partir. Par contre, il va y avoir un problème là. Là, j'ai un peu peur pourtant, je n'avais pas vu de loi martiale, moi, mais pourtant, j'ai de la violence avec des militaires. Auto-saboteur, bon, donc on auto-sabote sa campagne, hein, quelque part. Mais les règles, bah, c'est d'enfermer tout le monde. Moi, ça m'embête ce que je suis en train de vous sortir là. Alors, on va voir, est-ce que c'est en relation avec la Russie et l'Ukraine ou est-ce que c'est pas du tout ça? On va voir, est-ce que c'est en relation avec l'étranger? Parce que là, il va falloir un petit peu aller plus loin. Ah non, c'est par rapport en fait aux manifestations. Donc en fait, il veut éviter que les gens ne se regroupent. Il veut éviter que les gens ne se regroupent. Donc ce serait pas par rapport à l'Ukraine. Mais ce serait plus finalement pour éviter les manifestations, donc pour enfermer les gens. Hein? Et alors, auto-saboteur, je comprends maintenant, c'est pour saboter les manifestations. Ah ouais, d'accord. Je vous dis, il va faire un truc. Voilà. Donc, il va dire que les gens sont coupables, par exemple dans les manifestations. Hein? Et donc, ouais. Auto-saboteur, ouais. Il va vraiment aller sabrer et saboter les manifestations. Alors, par exemple, de Florian, hein, qui est quand même pas mal, il faut bien dire, hein, qu'on l'aime ou pas. Bon, voilà, quoi. Son discours est sensé. Encore une fois, j'essaie de, bon, de pas trop faire de politique, mais enfin, bon, il est quand même pas mal. On peut dire ce qu'on veut, hein. Ce qu'il raconte, c'est vraiment correct. Alors. Moi, ce que ça me dit, c'est que là, il va chercher des poux dans la tête. C'est vraiment ça, hein. Par rapport aux manifestations, il va vouloir vraiment les saboter en les faisant passer pour coupables et en les faisant alors enfermer. Ou alors en les empêchant de sortir, si vous voulez, c'est pareil. Et donc là, il ferait intervenir l'armée. Mais ça, c'est pas bon, hein. Parce que là, c'est pas l'Ukraine que je sors, c'est autre chose. Je vous ai dit, je ne sortais pas de loi martiale, moi. Mais je vois autre chose. C'est pas loin quand même. Alors, il y a quand même le soleil qui sort avec un sacrifice. Bon, on va aller explorer ça aussi. Ok. Stupide. Ouais. Donc, ça veut dire que si jamais il fait ça, le jeu me dit que ce serait de toute façon stupide. Parce que là, ça conduirait à encore,
comment dire, à rendre la situation encore pire. Là, ce serait, à mon avis, la fin pour lui. Oh, il y a quelque chose de bizarre là. Bon. Donc, ce qu'il attend, eh bien, c'est de nous coincer. Alors, et notamment de faire intervenir les militaires. Mais est-ce que, enfin, est-ce qu'il, je crois, là, comment, je vais reprendre, pardon, excusez-moi. Mais quand même, j'ai l'impression que si jamais il faisait ça, il aurait à le regretter. D'une façon ou d'une autre, ça ne va pas apporter ce qu'il escompte. Il y a autre chose. Ce serait stupide, me dit le jeu. Ce serait stupide. Donc on va dire que, on va demander, est-ce que quand même, parce que là, cette carte-là, c'est vrai qu'elle est difficile, mais est-ce que ce serait la fin pour lui? Ouais, alors il y a la joie et l'amélioration. Ça, c'est curieux, hein. Alors espérons que ce n'est pas pour lui, hein. Moi, je pense pas. Alors, laideur et fermeté. Alors là, je ne suis pas aidée avec les cartes aujourd'hui. Lait et fermeté. Ouais, en fait, ce que les cartes me disent, ce qu'elles ont l'air de me dire, hein, c'est que si jamais il entrait dans ce chemin de violence, ce serait stupide. Que finalement, ça conduirait à quelque chose qu'il n'attend pas du tout. Et qu'au contraire, la joie reviendrait. Alors, ce que je comprends pas trop, c'est que ici, il y a quand même un sacrifice. Alors, est-ce que c'est lui? Moi, j'ai l'impression que c'est lui quand même. Ouais, je crois qu'en fait, si jamais il faisait ça, ça conduirait à son départ. Là, ce serait la pire des choses qu'il pourrait faire, en fait. Voilà, la fin d'un cycle. Bon. C'est-à-dire que si jamais vraiment il allait vraiment partir par là, si vous voulez, que là, ce serait en fait, comment dire, l'inverse de ce qu'il en attend. C'est que ça conduira à son départ. Et que finalement, quelque chose de laid, ah voilà, je viens de comprendre, eh bien, apporterait plus finalement de la joie et plutôt une amélioration de situation. Ouais, ça c'est curieux. Alors, on va demander cette carte-là si finalement, elle ne va pas se retourner contre lui. Alors, est-ce que ces militaires vont aller aider le peuple finalement? Un peu comme en Autriche, si vous voulez, hein, vous avez bien vu, hein. Les militaires, ils n'ont pas voulu arrêter les gens, hein. Ils se sont retournés contre le pouvoir et ils ont refusé, enfin voilà, ils sont mis du côté du peuple, quoi. Eh bien, je sais pas pourquoi, je me demande si ça va pas être ça. On va les regarder. Alors, est-ce que les militaires sont plutôt pour le peuple? Alors, pour l'instant, ils sont, bon, voilà. Ouais, alors pour l'instant, ils sont en retrait. La situation ne leur plaît pas. En gros, c'est ça. Hein, là, je suis sur les militaires. En fait, la situation les rend carrément malades. Ils sont en train de regarder un peu dans leur coin. Pour l'instant, il ne m'a pas répondu, hein. Ouais, ils sont choqués par la situation quand même. Bon. Ils sont choqués par la situation. On va remettre des cartes là. Mais je ne sais pas pour l'instant. Alors peut-être que le jeu ne pourra pas me répondre. Si ils sont pour nous ou pas. Ouais, alors ça c'est les foyers français. On a toujours les histoires de médicales qui ressort. Bon, pour moi, moi j'ai l'impression que ce serait la fin. C'est-à-dire que si ils commençaient à intervenir, de toute façon, ce serait l'impasse, ce serait la fin. D'une façon ou d'une autre, ça arrêterait tout le cirque, ça l'arrêterait. Mais je peux pas vous dire à 100% s'ils sont pour le peuple. J'ai du mal à le voir. Ce que je sens par contre, et ça c'est sûr, c'est que la situation telle qu'elle est ne leur plaît pas. Ça c'est sûr. Et que s'ils interviennent, ce serait pour mettre fin à tout ça. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Alors je vais ranger mon jeu et je vais en faire un autre. Voilà. Donc finalement, pour résumer, l'intention de Caligula,
c'est de noyer le poisson en disant que, plutôt en agissant comme s'il était candidat, mais en sachant très bien qu'il a peu de chances de l'être. Donc il est en train de préparer son départ, hein. Prendre l'argent, vous avez vu. Et puis de toute façon, il a un problème de financement. Donc il sait très bien que, il avait un problème avec ses chefs, hein. Il n'a pas réussi à éliminer autant de personnes qu'il aurait dû. Vous avez vu, hein, c'était dans les cartes. Et que de toute façon, il ne pourra pas se représenter. Mais avant de partir, il va nous faire la totale. Certainement en sabotant les manifestations et en envoyant, ma foi, les militaires. Bon, voilà, c'est ce que je vois. Alors, on va redemander au jeu Saga. Et puis, de toute façon, il sait très bien qu'il est quand même en danger, hein. Et donc, il voudra se mettre à l'abri. Moi, c'est ce que je vois. Alors, est-ce que le jeu Saga peut nous donner une petite carte sur ce qu'il a en tête? Donc, on va en prendre que deux pour éviter de trop se perdre. Ouais, regardez, en coupe, j'ai ça. Donc, de toute façon, il sait qu'au niveau de la potion, ça va pas bien se passer. Parce que, vous avez vu, hein, on a de plus en plus de témoignages, etc., etc. Je vous avais dit ça, que ça allait ressortir, hein, les petits poissons, hein. Je vous avais dit, hein, les petits poissons vont remonter à la surface, donc les gens vont parler. Et donc, il sait que ça sent pas bon. En plus, aux États-Unis, bidé, là, comme on dit, ou bidon, il est complètement désavoué. En Espagne, ils ont arrêté. En Italie, ben, c'est la cata, c'est vrai. Mais au Portugal, c'est pas mal. Hein, j'ai quelqu'un du Portugal que je salue ici. Donc, ils ont quand même beaucoup moins de restrictions. Donc, il y a des chances que ça s'améliore aussi. Enfin, bref. Et puis, chez nous, ils sont en train de tergiverser. Alors, on va regarder un peu ce qu'il va nous faire. Donc, il y a un arbre ici. Ah oui, encore les histoires de potions. Hein. Donc, ça, c'est la fiole. Vous savez ce que c'est. Ici, on a un arbre. Ça me fait penser à chercher une protection, moi, quand même, l'arbre. Hein. Chercher une protection par rapport à ça. Il y a des histoires d'argent là-dedans aussi. Hein. On va certainement découvrir pas mal de pots de vin aussi. Ça l'inquiète. Bon, il y a, vous savez qui derrière tout ça, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais savoir par rapport à Caligula, qu'est-ce qu'il a en tête? On va voir. Si j'arrive à le sortir. Ouais, bon, bah il a envie de prendre le, comment dire, de voler au loin, hein, la plume. Le ciel. Bon, bah il a envie de partir. Hein. Il a envie de partir. On va dire d'avoir plus de légèreté. Alors là, j'ai carrément la sorcière. C'est ça, c'est lui. C'est aussi ses maîtres. Hein. Voilà, ça c'est lui. Il a l'air fatigué, cet homme-là, d'ailleurs. Bah, vous avez vu ce que je sors? Ah, ben je sors ce que j'ai mis sur la fenêtre, ce que je vous ai monté en début de vidéo, hein. Donc, il risque de mal finir quand même, hein. Alors, je voulais sortir ce qu'il avait en tête et finalement, il est possible que j'ai sorti ce qui va lui arriver, hein. Bon, on va refaire un jeu. Saga, il est toujours très puissant comme jeu. Je n'ai pas sorti ce qu'il avait en tête, mais bon, le jeu de haut me l'a quand même pas mal dit. On va regarder avec Résilio, s'il peut me donner encore une petite indication, savoir vraiment s'il veut vraiment nous mettre, on va dire, les bataillons, quoi, dans la rue. Hein. Dis-moi un petit peu ce qu'il a en tête, ce qu'il veut faire. Il veut partir en beauté, quoi, en fait. En gros, c'est ça. Hein. Ouais. Vous voyez, regardez, ici, j'ai tendre une souricière à quelqu'un qui a du succès. Bon. Donc pour moi, déjà, curieusement, il veut aussi, en fait, nuire, aux concurrents. Vous savez, en fait, ce que j'ai en tête, c'est qu'il pourrait très bien préparer, en fait, le chemin pour le prochain candidat en éliminant tous les autres. Comme pour François Fillon. Donc, qu'est-ce qu'il a en tête? Est-ce que c'est ça? Ça ne m'étonnerait pas. Ah, bah, voyez, il est encore là, hein, il a la trouille, hein, voilà. Alors, il sait qu'il y a les gens qui sont contre lui, quand même. Hein. Tout ça par rapport aux lois qu'il a faites. Ici. Donc il sait très bien qu'il ne gagnera pas. Il le sait. Il est peut-être complètement fou, mais ça, il le sait. Il le sait. Il ne fait pas l'unisson. Il y a d'autres personnes qui se regroupent et c'est de ces personnes-là dont il a peur.
Moi, je vous dis, il prépare son départ. Mais avant ça, il va nous faire un coup de Trafalgar. Voilà. Alors ça peut être notre fameuse journaliste Natacha. Alors j'en ai pas reparlé, hein. Alors sachez quand même que elle est très menacée. Elle a fait un travail formidable. Franchement, grâce à elle, il y a plein de choses que je me suis aperçue. Ah tiens, à propos de Jean Brie. Vous allez regarder ses pieds. Regardez les pieds. Hein, cherchez des photos où vous regarderez les pieds. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans un corps. On ne peut pas changer les jambes, on ne peut pas changer les pieds, on ne peut pas changer les mains. Bon. Donc les pieds, j'avoue que là. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai fait une petite blague en disant que Jean-Brie était en train de se casser toujours la figure dans la petite boîte où je l'ai mis. Parce qu'il avait des grands pieds. C'était un petit clin d'œil. Les pieds ne sont pas féminins. Voilà. J'en dirai pas plus. Bref. Donc, fantastique travail de la journaliste qui est là, qui veut toujours rester un peu cachée, hein, mais qui a quand même un groupe qui l'entoure. Hein. Donc, il y a des gens qui vont se relayer ce qu'elle a dit. Alors, pourquoi je vous en parle? Ben, parce que, à mon avis, toutes les critiques que celui-là il a, il y a aussi la journaliste qui en est responsable, et heureusement qu'elle est là. Moi, j'avoue que c'est plein, je vois plein de choses maintenant. Alors, donc il sait de toute façon qu'il passera pas. Mais là, attends, on ira voir ça. S'il veut faire ressurgir quelque chose d'autre, voilà, c'est une marionnette. Il est vraiment, il est marionnetté quoi. Enfin bref, il fait ce qu'on lui dit de faire. Alors là, il y a le rideau qui se lève. Hein? C'est la fin de la pièce quoi. On pourrait éventuellement la mettre là. Bon. Donc, on va la regarder ici. Bon, j'ai pas sorti le bataillon, comme je dis, pour éviter de dire l'autre mot, n'est-ce pas? On sait jamais. Mais on va regarder ici. Alors, qu'est-ce que tu as dans la tête? Et là, c'est quoi? Ouais, c'est ce que je vous dis. Il joue la montre. Il joue la montre. C'est pas possible qu'il se déclare candidat. J'y crois pas. Il prépare le chemin pour quelqu'un d'autre. Bon, ben voilà, vous avez vraiment le stop là. Hein. Donc non. Il ne se représentera pas. Non. Il joue la montre. Alors, il y a quand même ici. Ah, mais c'est une belle carte normalement. C'est une belle carte. Alors, c'est quoi ça? Est-ce que c'est pour nous, la vie qui reprend, ou est-ce que c'est lui qui a encore un autre projet derrière? Non, c'est la vie qui reprend, c'est les gens qui font bouger les choses. Espoir, l'espoir, l'espoir est là. Alors ne perdez pas espoir, hein. Je vous ai toujours dit, hein, le printemps, l'été. Pourquoi l'été? Parce que, à mon avis, c'est là où il faudra vraiment reconstruire, si vous voulez. Le printemps, c'est que déjà, le truc, il va devoir s'arrêter. Mais qu'avant, il y aura de la casse. C'est ça, pour ça que je vous parle toujours de l'été. Et la casse, ça peut très bien justement être avec ce qu'il va nous faire en dernier recours, si vous voulez. C'est quelque chose comme ça, hein. Mais là, il y a bien vraiment l'espoir qui refleurit grâce à l'action solidaire des personnes. Vous voyez comme elles souffrent, hein. En plus, regardez, ces deux personnes-là sont sur la plage, donc ils sont en short, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi que ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, c'est pas les grandes personnes politiques, hein. C'est le peuple, ça, qui fait bouger les choses, qui tire le bateau, là, pour le faire bouger. Alors, il est possible que le bateau, justement, il était échoué, par exemple, hein, et que pour le sortir de là où il s'était enlisé, on peut dire ça comme ça, eh bien, il est nécessaire de tirer avec des lanières, pour aller en eau plus profonde. Donc pour que ça redémarre, pour qu'il puisse de nouveau revoguer. Vous pouvez aller chercher après toutes les interprétations que vous voulez. Mais pour moi, il y a définitivement ici la volonté très nette de faire bouger les choses dans le bon sens, puis pour que le bateau puisse repartir et reprendre la vie qui reprend ici. Bon. Alors, du coup, j'ai juste vu qu'il jouait la montre. Alors, je n'ai pas vu ce qu'il avait en tête. Alors, est-ce que tu veux bien nous le dire? Qu'est-ce qu'il a en tête? Ouais, bon, bah voilà, il prend son. C'est le gamin qui reprend ses jouets, qui s'en va, quoi. Mais c'est ça, hein. Il prend ses clics et ses claques. Ah, regardez, je viens d'apercevoir que le gamin, il a un billet de 100 dans la main. Vous avez vu? Alors, 100 dollars, 100 euros, ce que vous voulez, mais il a de l'argent. Bon, bah, il s'en va, hein. Mais il va essayer de prendre des sous. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, là, j'ai compris.
Tu prépares ton départ, t'as la trouille. Tu sais que bon bah ça sent pas bon. Alors, est-ce que tu vas nous faire un coup de Trafalgar? Ouais, il est critiqué. On est d'accord. Ah, et je sors pas ce qu'il va nous faire. Hein. Et il va se mettre à l'abri. Ouais. Bon, bah voilà, il va se mettre à l'abri. Bon, écoutez, je le sors pas avec ce jeu-là, ce qu'il va nous faire. J'arrive pas à le sortir. Il est sorti avec le jeu de haut. Peut-être qu'il faut que je demande carrément. Hein, est-ce qu'il va nous mettre les bataillons dans les rues? Ah, ça par contre, il risque de réussir. Hein. Vous voyez, j'ai le oui. Il risque d'y réussir. Enfin, de réussir, mais ça lui porterait pas chance en même temps. Vous voyez? Parce que ça se retournerait contre lui. D'ailleurs, on va le demander. Est-ce que ça se retournerait contre lui? Alors, bah là, je sais pas. C'est bien contre les gens. Ouais, ça serait quand même une menace. Hein. Donc, d'un autre côté, ça le mettrait aussi en position extrêmement périlleuse. Donc, oui. Donc, ça, c'est les gens, toujours, par rapport aux gens. Hein. Donc, il y a bien un projet par rapport aux gens. Hein. Et puis, il se retrouverait tout seul. Boué à la mer, mais il n'y a personne. Donc ça veut dire que là, il serait perdu, quoi. Il n'y a personne, hein, il a déjà coulé, hein, pour moi. Donc si jamais il fait ça, c'est foutu. Il n'y aura plus personne. Bon, pour moi, c'est trop tard, de toute façon. C'est trop tard, hein. Là, le hamac, c'est la place, elle est vide, là. Il est parti, hein. La place, elle est vide. Hein. Et là, alors il est parti, mais il court derrière le camion quand même. Donc il va chercher à s'échapper. Bon, voilà. Ce que je peux vous dire. Alors, je n'ai pas sorti encore une fois les bataillons avec le jeu de le Résilio. Je l'ai sorti avec le jeu de haut. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas de carte dans ce sens-là non plus dans le Résilio, mais je voulais savoir ce qui me sortait. Mais pour moi, il va préparer son départ. Mais avant ça, il va nous faire un sale coup. On va regarder avec le jeu Habitat. Parce que là, par contre, j'ai des cartes qui peuvent être intéressantes. Alors, donne-moi une carte sur ce qu'il a en tête, s'il te plaît. Alors, quelle aiguille a en tête? Je regarde de temps en temps. Bon, bah écoutez, regardez. Les cigognes s'en vont et la cheminée fume. Vous avez vu? Et surtout, surtout, c'est la lune rouge. Donc la lune rouge, c'est généralement annonciatrice de gros problèmes. Hein. La lune, la rouge, rouge de sang, la lune sanglante. Donc il nous prépare bien un truc. Hein. Voilà. Et lui, il est parti au calme. Bon, bah écoutez, vous savez ce qui va arriver maintenant. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Donc on ne lâche rien, on garde espoir, on est droit dans nos bottes, on dit non. C'est encore quelques semaines. Attendons le printemps. Et cette fois, on peut penser printemps. Oui. Nous, on peut penser printemps. Par contre, pour lui, c'est le printemps de la fin. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, je vous fais la bise. On garde notre énergie guerrière de battant. Et on va se battre pour nos enfants. Et ben moi, je sens que je vais aller m'amuser à faire une petite lettre au directeur de l'établissement. Là où est ma fille. Et je vais lui dire ce que je pense. Ça va me faire du bien. Voilà. Donc sur ce, je vous fais la bise. Et puis à bientôt. Au revoir.